J'ai trop débouché mon oreille droite, j'entends bizarre maintenant. C'est sur cette phrase que Jean se lavait au dé. Je trouve ça. On est sur House of Ashes avec Envy. Et on essaye de finir le jeu, mais pas facile. Il nous aide pas beaucoup le jeu en fait. Malade comme toi, on est tous malades. Envy aussi, un peu hup. Mais ça va mieux en Attention. vrai. Hein. Ouais, mais moi aussi, mais bon, je tousse quoi. C'est la semaine dernière, c'était un truc de fou. Un peu pareil. C'était horrible. Oh, pas besoin. Combien de morts? Bah aucun pour le moment. Bon, mais ah. Mais ça va pas tarder. Ouais, aucun, je crois. Bah vu que Rachel est encore Non, vivante. mais tous en sursis. Hein. Tous en... Ouais, c'est ça. Tous en sursis, ça c'est bien. T'as dit, c'était les Starship Troopers. Ouais, 12 degrés en ce moment, moi je veux dire quoi, hein. Mais bon, c'est la moyenne aussi, il fait chaud un peu partout. Oh non! Petit bâtard. Le premier RPG, on a réussi à buter personne. Ah. En même temps, on joue jamais dans ce Dark Picture là. On regarde. Genre là, il aurait pu avoir un petit QTE, un petit truc. Non, non. Là, pareil pour la fuite de lui. Tu les as tous fait, Jay? Si oui, c'est lequel ton préféré? Ou c'est lequel que tu conseillerais? C'est le seul moyen de se débarrasser de ce clown! Celui-là, il est pas ouf. Puis bon, on monte la POV d'Envy quand même pour que vous puissiez voir qu'il a toujours ce bug de merde. T'as dû viser avec ça. Bah ouais, je voyais rien en fait. Putain. Little Hope, ouais, Little Hope est bien. Vas-y! Tiens, tire-toi. T'y arrives. Oui. Non mais on a trop de bugs, c'est supportable. Faut savoir qu'Envy, il est avec... Non mais fouillez pas, mais putain, il mais est avec c'est ce nul. Truc là depuis... Ah, une bonne demi-heure maintenant. Ça m'interpelle pas du coup, attends, faut vraiment que je regarde, voilà. Mais pourquoi moi j'ai pas? Pas de préférence. Ah ouais? Celui-là, vraiment, j'ai du mal. Hein. Je sais pas où je vais. C'est toi, c'est toi! En haut, sur le. Ouais, voilà. Ok. Trop bien, waouh! Je vais t'avoir, mon lapin. J'ai fait House of Ashes sur PS5. Je peux me souvenir qu'on a eu des bugs. Ah, moi j'ai eu des bugs sur tous les opus. Hein. Mais j'ai tous fait sur PC. Après, putain, hein, si les jeux sont pas capables de pas être buggés en coop sur PC, alors qu'ils sont destinés à ça. Ça vient des jeux quoi. Ouais, des bugs pires que d'autres. Hein. Mais y'en a. Celui-là il est chiant. Tu es très bugué. Vas-y, pousse avec tes balles. Et oui, bonne année en fait, DJ, je sais plus si je te l'ai dit. Je vois pas les Irakiens. Ah, t'es Rachel. Ils sont pas trop cons, ils viendront pas. Ça va bientôt chauffer là-dedans. Comme d'hab, je suis l'autre con. Rachel? Rachel? Oh putain, elle nous amène le démon. Ouais, j'ai hâte de lui filer un doliprane, ça sert à rien. Étonné, soldat? J'ai vu ces choses vous emmener.
Où est Eric? Allez. Il m'a tué. Rachel. Je pouvais choisir de le frapper lui. J'ai choisi des... Je suis désolé. J'ai coupé la corde quoi quand même. Oh! Tu m'as décroché et laissé pour morte. C'était ça où je mourrais moi aussi. Il faut que tu comprennes Rachel. En plus on le sait. On sait que c'est vrai, on c'est a essayé. Bon. Mais bon, dans ce moment-là, tu fais pas appel à ta logique, je pense. Vas-y. C'est lui, pas vrai? Vous n'êtes pas le plus futé, Nick, mais même vous, vous devez savoir de quoi je parle. T'as couché avec lui, Rachel? Mais vous étiez plus ensemble. Bah officiellement, oui, mais non... C'était au max. Ça suffit! Je sais que c'est lui, Rachel. Oh, c'est très bizarre le son. Ouais, c'est très mal. Lâcher avant que je vous mette une droite. Colonel ou pas colonel. Il s'engueule mais en chuchotant. Non, ouais. C'est lui. Oui, c'est lui. Je vais te tuer. Bon, allez, on arrête la merde. J'ai attendu, Eric. Autant que j'ai pu, désolé. Toujours loyal. Toujours loyal. Des douleurs. Le problème, c'est pas les douleurs. Même au moment de couper la corde. Le problème, c'est qu'ils ont sûrement pas eu d'image. Ils doivent dire des répliques. Sans rien. Ouais, c'est probable, ouais. Dans beaucoup, beaucoup de jeux, ça se passe comme ça. Et du coup, bah, c'est très dur s'ils ont. Juste comme direction, t'es en colère. Même l'ingé son, ils savent pas. Et ouais, il y a un problème d'équilibrage de bruitage et de son. Écartez-vous, Rachel. Bonne attrape pile. C'est trop tard, Rachel. Bonne attrape pile. Ça, t'en sais rien. Voilà, c'est dit. Rappelez de faire manger à 23h47. Toujours. On mange super tard. Jason, je vous en prie. Ne faites pas ça. Ah, ça fait un écho. Oh non, mais elle va tellement mourir. Enfin, là, c'est... Moi, je veux pas. Elle est là sous la tente. Allez! Je sais pas si on peut la sauver. Bonsoir, banane et silence! On sait pas grand chose de ce truc là. On sait rien. Conseil. Moi j'ai vu un mec se faire transformer. Putain, parle-moi fort. Oh non, mais elle va tellement nous attaquer dans le dos. Et peut-être qu'on pourra la sacrifier. Peut-être. Ou peut-être qu'elle se sacrifiera. Genre consciente encore de son état. C'est quoi. Ça. J'ai pensé aussi. J'avoue. On a besoin du générateur. Sans lui, on est aveugle. J'ai besoin d'elle. Aucune de ces saletés ne doit entrer. Ah oui. Ils sont déjà entrés. On doit plus. Allez. Mais arrêtez de parler. Vous arrêtez de pousser pour parler. Vous vous rendez compte quand même que vous êtes teubé? Ils sont teuteux, hein. Retiens la porte, je me charge du générateur. Ah bah comme ça on est bien enfermé avec elle. Merde, elle a changé de camp. L'endroit est miné. Bien fait toi, bah écoute malade. Pas suffisamment. Comme plein de gens, mais ça va. Oh putain! Oh, ils sont déjà rentrés en fait, ça sert à rien ce qu'on fait! Ouais, j'avoue. Merde! Putain, tu vois autre chose, toi! On a besoin de ce générateur vite! Ou on est mort! Mais il est tué! Oh, Eric, quoi! Eric, là! Bon, bah, on n'a pas. J'ai une créature. J'avais lâché la manette! Ça va.
Là, par exemple, il se passe rien. Ça fait que gagner du temps. Là, c'est du... Ouais, du temps de jeu, entre guillemets, de gagner. Pour faire genre, ouais, il a une bonne longévité, le jeu, regardez, il a 6 heures. Ils vont passer. Donc 4 de vide, mais... C'est pire que des rats d'égout. Mais tu tires sur... Ah, d'accord, oui. Ah, oui, d'accord. Vous comprenez pas. Je me disais, c'est ridicule. Mais ramasse ta lampe, toi, tu sais que ça marche. Faut vraiment te teur. Ils sont entrés dans le périmètre. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, on vous écoute. Allez, allez, il y a forcément quelque chose. Oh, je sais. Ok, on peut rejoindre les catacombes, faut qu'on descende. Dernière nouvelle, la sortie se trouve en haut. Soit on descend, soit on se fait tous cueillir ici. Écoutez, on va à la porte Est. Ils sont forts. Hein. On l'a vu tout à l'heure cet endroit. Oh. Ouais, j'ai fait le choix de tirer. Je vais me suicider. Ouais, ouais, c'est parti. Stylé. Ah, faut pas les rater. Ah, je balaye. Ta-ta-ta-ta-ta. Même moi, ma manette, elle vibre. Ma manette, elle vibre. C'est pas mal. Manu. Et pourquoi moi je peux rien faire pendant ce temps? Ça rend ouf! Trop classe! J'avoue que c'est stylé. Allez, c'est parti, on a gagné assez de temps là. Tire. Ouh, il a utilisé. Oh putain! Oh, c'est pas mal, c'est explosé par toi. Allez, barre-toi. Attends, j'arrive même pas à croire qu'on est pas de mort. Et elle est toujours vivante, elle. Oh, t'as réussi. J'ai déjà une vie, t'as réussi à QTE. Un témoignage est bénéfique. C'est manière se fout de ma gueule, je crois. Ça me montre jouer sur un PC portable. J'en ai réussi au moins 5 d'affilée là. Hein. C'est vrai, moi j'en ai aucun. Hein. Spectatrice, mais totale. Ah, il rigole plus là, il est mal dans les jeux au niveau gameplay. Hein. Franchement, je me fais chier. Laissez-moi jouer. Là, j'ai toujours plein de trucs à faire. T'es Eric encore, tu vois, rien à faire. Ça aura juste des réflexions sexistes. Ouais. Silence. Et énervé, je les entends. Vénère. Ouais, je vais vouloir tuer Salim sans raison. L'explosion les a bloqués. Oh, et puis regardez l'autre là, elle est en train de se transformer. Comme ça, il a fait que tirer comme un connard lui. Attention que c'est génératif, film interactif. Si, quand c'est bien foutu, il était vachement mieux foutu, Little Hope. Au niveau équilibrage du gameplay et tout ça. Moi, je trouve que Envy a beaucoup plus de trucs intenses à faire que moi, par exemple. Vraiment beaucoup. C'était vachement mieux foutu dans Little Hope. C'est vrai que c'est mal équilibré. Et c'était pas trop mal équilibré dans Devil Enemy. Devil Enemy avait d'autres soucis, il est toujours très buggé. Et j'avoue que... Que l'histoire m'a pas c'était oh merde. Ah, si dire qu'un jeu est mal équilibré, ça veut pas dire que t'aimes pas le type de jeu, c'est que ce jeu est mal foutu.
Mon ami n'est pas content. Ouais, ça se devine. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre ami est un petit peu trop tendu à mon goût. Et moi, ça me rend nerveux. Si vous baissiez votre arme, peut-être que la tension retomberait. Je veux pas ta game, mais plus celle d'Envy. Franchement, elle est plus sympa, hein. En tout cas, moi, j'aurais préféré jouer des parties d'Envy. Là, pendant toute la scène d'avant, j'ai rien fait, c'est que lui qui a fait tout seul. J'ai l'impression. C'est mal foutu, normalement, je devrais jouer en même temps. Un frein regrettable à ce qui pourrait être une si belle amitié. Machin, silence! Moi, je pense qu'on devrait mettre une balle à ces deux enfants. Et là, je joue Eric, qui n'est même pas dans la scène. Ça rend ouf. Toi, tu joues au corps. Merci, il est là, regarde. T'as dû faire un choix. Allez. J'ai quand même un choix. On a besoin d'eux. C'est nos ennemis, Nicky. Il va falloir qu'on s'entraide. C'est le seul moyen. Le héros avec son poing au milieu d'écran, mais oui, hein, il y est toujours, hein, regardez ça. Tellement, putain. Mais on n'ose pas relancer, on a à peine réussi, enfin, on a mis une heure avant de réussir à jouer ensemble. 4 ou 5 fois pour réussir à... Du coup, si on quitte, on est presque sûr de pas réussir à relancer la game. C'est parce qu'on a, c'est quand l'autre il va nous ouais, parler, là. La fin du chapitre. Netflix a supprimé Superstore, je suis en train de regarder, ils ont même pas prévenu. Ah, ils préviennent normalement. Tu es bizarre. Ouais, des fois ils mettent cette série partir à telle date. J'avais bien aimé Superstar, mais c'est basique. Ouais, j'avais pas eu plus envie que ça d'insister. J'avais vu le premier épisode, ça m'a. Je me suis dit, bon, je vois le type de série. Voilà, je vais pas prolonger. Allez, Clarisse. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'appelle Clarisse. Ouais. Allez, un horseur. Elle est en train de devenir comme eux. J'avoue, je pouvais dire elle fait partie des nôtres, mais bon, si elle vous attaque. C'est perdu d'avance. Les médocs sont restés dans le temple, on se trimballe un poids mort. On doit garder espoir. Regardez-la. Il est où l'espoir? Il est où l'espoir? J'ai appris qu'ils avaient annulé la suite de 1899. Ouais. Bien, c'est pas du tout le genre de série en plus qui finit sur un énorme cliffhanger. Moi, je crois que c'est ça hein, qui a foiré, hein. C'est que ça va pas plus du tout parce qu'il y avait 10 millions de questions. Ils l'ont joué Lost apparemment. Ouais, à fond, à fond. Pu. On doit garder espoir. Moi, j'ai pas regardé à cause de ça parce que tu m'as dit que. Ils ont foiré, puis voilà. Oui, tout à fait. Chaque épisode rajoutait son autre question. Oui, complètement. Bah, et puis, le peu de réponses que t'as, ça convainc vraiment pas beaucoup, quoi. Enfin, à mon sens. Bon bah on l'embarque avec nous, mais punaise, on va tellement regretter, je pense. Ouais, j'ai pas eu de choix à faire, là. Ouais, c'est chiant, hein. C'est vrai que... C'est dommage qu'il fasse pas... Ouais, comme le précédent, où on avait des choix à faire en même temps, des scènes à faire en même temps. Là, c'est chacun son tour, un peu. C'est mal branlé. Qui puisse exister sur Terre. Comme si tu savais ce que c'était que cet endroit. Clarisse, debout, Clarisse. Je ne pouvais pas m'en sortir. Allez-vous-en. Ah, elle est consciente quand même. Mais elle agonise depuis 3 heures là. Faudrait lui couper la tête maintenant, en fait. Je pense. Mmh. Oh putain. Oh, ils sont tellement nombreux, non mais d'accord. Survivre à l'assaut. Survivre à l'assaut. Waouh. Wow. Ça va être rigolo. Non, Call of Duty. Prépare-toi à viser. Ouais, ouais, j'ai la manette en moi. T'as vu, je vise bien.
On me tire dessus. Ah lui, je l'ai vu mourir à cause d'un ganor humanoïde comme ça. Regarde où tu vises toi. On lui grave. Il va y avoir un friendly fire. Lui c'est tellement un traître. Il regarde son arme. Ouais bah c'est... Un trou dans sa casquette comme si elle avait pris une balle. C'est possible ça hein. Là j'aurais pensé qu'il t'aurait laissé le choix, en mode de l'aider ou pas. Ouais. Si tes occasions manquaient de nous mettre du game. Non, c'est le supérieur de... Salim. Ouais mais bon. Il y a quand même un rapport hiérarchique. Là qu'il saurait hein. Ah non, il est vieux, regarde. Il a des os et tout autour de lui. Ouais ouais mais il est humanoïde, je veux dire, il est pas... Il a pas des ailes et tout, il est pas... Tu fais quoi? Eh bah je tente un truc. Je pense que je vais le regretter de fou. Tu branles. Bah oui. T'es trop nul. C'est Nick, c'est le meilleur. Oui bah je... J'ai tenté un truc Mon arme elle aurait servi à rien. Je fais ce que je peux hein. Putain. Ça me saoule, ils ont l'air d'être insensibles aux balles. J'ai sauvé Rachel avec Talim. Ouais. C'est pour ça, moi j'avais le choix entre lui tirer dessus ou lui montrer le crucifix. Je me suis dit, je vais tenter autre chose, tu vois. Les armes, ça a l'air pourri. Oui, mais. Mon anneau là. Mon collier, c'est de la merde. Ah, voilà. Avance. Non mais faut un peu et la main ferme un peu, ça fait deux fois que tu lâches ta lampe pour rien. Ils sont tellement mal en point. Ils sont tellement nuls. Bon j'avoue avec le crucifix je cherche la merde aussi. Ah bah yeah. Ah, c'est bien qu'elle l'attaque lui. Ouais c'est ce que j'allais dire, franchement elle l'attaque lui ça va. Tu vois je t'ai dit qu'elle servirait à quelque chose. C'est vrai. Parce que lui il va forcément essayer de les tuer. Mais bon, lui après il va revenir aussi, c'est un problème. Ah ouais, ce sera pire. Parce que vu qu'ils avaient pas d'idée, ils ont fait un truc genre c'est des monstres, en fait c'est des zombies qui transforment et puis évidemment c'est des gargouilles tombées. Parce que voilà, on a trop d'inspi. Allez, Rachel, fais les trucs. On n'entend pas ce que tu dis, Nick. Faut parler un peu plus fort, c'est un peu la cohue. Non, mais on va le sauver là. Bah oui. Non mais et puis toi, aide-la toi aussi. Genre, laisse pas aller au cac-pip. Enfin pas toi, Nick. Au pile poil. Salut paresseux diffuseur, merci beaucoup, j'espère que ça va et bonne année. Désolé, la scène est intense. Ah oui, on va pas le laisser quand même. Merci en plus, lui, il a sauvé Nick, il est plus aidé. C'est lui qui était en galère à ce moment-là. Oui, puis même, enfin, genre... Pour rien quoi, sous prétexte que c'est son ex, enfin c'est cool. Merci beaucoup Amitus Adora, merci pour ton 6ème mois d'abo, je suis désolée, faut que je sois super concentrée, allez, je vais essayer de... Oh merde, merci beaucoup. Bonne année. Je peux rien faire, je peux pas t'aider depuis 5 minutes, là, un peu plus, je peux jouer. Ah. On m'a pas sauvé. Mais je peux rien faire depuis tout à l'heure. Voilà, là je peux enfin faire une touche, ça fait vraiment 5-6 minutes que je n'ai pas pu faire de touche. Il
Écoutez, au danger, ça pardonne pas. Bah, le problème, c'est que moi, j'en ai eu quasiment aucun. Depuis très longtemps. Moi, je les ai pas ratés là, tout à l'heure. Mais franchement, t'en as eu plein, moi j'en ai eu un, là, c'est le seul que j'ai eu. À un moment, c'était chaud, mais je l'ai pas raté. Lâche pas la langue, garde-la au cas où, mec. Putain, surprise. Ah, d'accord. What? On perd tout le monde là sur cette action. Mais on a rien eu à faire. On perd tout le monde sur une action, on ne joue pas. Genre, moi je pouvais juste le faire résister un truc, ce que j'ai réussi. Et c'est tout. Tu sais que c'est parti de quoi? Ça se trouve, c'est parti d'elle, celle qu'on a sauvée là. Oui, je pense que c'est parti d'elle et que c'était déjà foutu. Ouais. Parce qu'on l'a sauvée. Donc en mais fait. Mais à chaque fois, il y a des médicaments là-haut, il y a des médicaments là-haut. Il y a jamais de médicaments en fait. Ouais, ouais. Ah, je sais pas, j'ai pas entendu ta scène. Vu que moi je faisais l'autre. J'ai quitté, c'est dimanche mon truc. On a eu trois morts. On a eu le mec, le commandant là, garde. Comment tu fais pour revenir de vacances plus blanche qu'avant? J'ai été très malade et surtout on ne bronze pas beaucoup à Paris au mois de décembre en fait. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes mignon, mais enfin à moins que je parte sous les tropiques, je vais pas bronzer là. C'est... Alors si vous habitez dans le sud de la France, vous avez pu, mais sachez que ce n'est pas vraiment normal. En général, au mois de décembre, on bronze pas des masses en France. Sauf si tu vas au ski. Allez, j'appelle. Qui que vous soyez, identifiez-vous. Je pars dans le sud, vous savez. Ouais, d'accord. Mais comme je dis, normalement dans le sud, même à cette époque-là, tu bronzes pas. C'est très exceptionnel si t'as pu le faire. Faut pas faire son choqué parce que les gens bronzent pas au mois de décembre, quoi. C'est genre, c'est normal. En fait, c'est l'inverse qui est plus bizarre. Je peux te tirer dessus là. Ah bah vas-y, tire. Putain de merde! Je l'ai pas fait. Plus un geste. Oh non, mais. Je les déteste. Franchement, tu crèves tous à part Salim, ça me saoule. Vous êtes seul? Ou il y a d'autres survivants? Tout s'est passé très vite. Je crois qu'il n'y a plus que nous. Seulement vous et moi, hein. Si c'est pas mal. Ouais, je crois aussi. Je ne veux vous faire aucun mal. Je le jure. 15 degrés dans le sud, un trop gelé, c'est normal. Bah, tu bronzes pas à 15 degrés, hein. Vraiment, hein. Faut arrêter. Genre, sauf si t'as envie de passer toute ta journée dehors, quoi. Allez. Aujourd'hui, vous êtes chaud de ouf. Je suis content de voir un visage humain. Ouais, par rapport à. Moi aussi. Ouais. Bah nous, il fait pas super froid, mais bon, il fait 10 degrés, tu sais. Encore une fois, c'est pas fou pour bronzer, hein. Votre ami a dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce n'est pas toujours vrai, mais si nous tenons à survivre, nous devons nous allier. L'épée et le bouclier. C'est un peu trop un télo pour moi. Mais d'accord. Ok, bon. Enfin, une action intelligente. Si l'espace d'une seconde, j'ai un doute sur vos intentions. Vous pouvez me croire. Je vous aligne direct. Je tue des vampires. Vous croyez que j'ai peur d'un marine? Ah, donc c'est vraiment des marines. Ok. On dirait bien que c'est notre seule option. Ni Van Dyke, des bisous. Un de tient la porte. Alors bien. Et l'autre se faufile en dessous. 9 degrés de la pluie. T'as Vandals. T'as Rimworld avant de dos. Thierry Rimworld. Donc pareil, on a eu de la pluie en arrivant. Aujourd'hui, c'était gris. Plus belle, de bruit. Vite. Tout ça pour ça. Est-ce que ça va? Vous pouvez pas mettre des pierres. À votre avis, c'est bloqué. Il va falloir trouver un autre passage.
Putain, on est séparés. Je crois qu'il y a un passage. Il faut juste le dégager de mon côté. Dépêchez. Ces choses peuvent être n'importe où. Bon, ça va, c'est cool si tu peux jouer le mort de taf. Vous avez une idée de ce que sont ces choses? Ce sont des vampires. N'importe quoi. Mon père m'a dit un jour, si ça ressemble à de la merde, et que ça sent la merde, tu n'as pas besoin d'y goûter pour savoir ce que c'est. Il parle comme un mafieux, plutôt. Il fait un accent italien. Pour les vaincre, on devra s'unir. C'est le seul moyen. Ouais, c'est aussi l'impression que j'ai. Pourquoi vampire? Bah parce qu'ils ont des dents. Et qu'ils mordent. C'est des gargouilles? Bah ouais, mais c'est vrai qu'ils ressemblent un peu à des chauves-souris, du coup ils appellent ça des vampires. Ouais, c'est ça. Enfin, ok, que lui qui a dit ça après. C'est un philosophe, ton père. Ouais, c'est vrai. Je pouvais rater ce QTE. Oh putain, ça bon. Aurait été tellement fatal. Merci. J'ai cru qu'ils seraient séparés plus longtemps. Moi aussi. Putain, j'en ai marre de mon truc blanc là. Ouais, et puis je crois que c'est le dernier chapitre. C'est quoi la première chose que vous ferez quand on sera dehors? Embrassez mon fils. Et vous? Que ferez-vous? Moi, j'irai sans doute boire un verre. Je peux jamais lire, Soul. Moi j'ai un vieux briquet, j'ai pas d'armes, mais what the fuck. Bah j'ai la suite là. Nick, votre ami. Ça me perfisse le clodo là. Embrassez-moi. Ah bah non. Que signifient ces marques sur votre casquette? C'est un hommage aux morts. C'est pour ça que je me bats. C'est une raison valable parmi d'autres. C'est une très bonne raison. La seule valable. Pourquoi tu fais ta petite mijaurée, là? M'énerve. Je ne suis pas votre ennemi. Bah oui. Vous devriez peut-être regarder les infos. Écoutez. C'est l'histoire d'un homme qui avait bâti sa maison sur les berges d'un fleuve. Pendant les crues, ses murs s'érodaient. Lors des sécheresses, il n'avait plus d'eau et souffrait de la soif. Le jour, les insectes piquaient la chair de cet homme. Mais chaque soir, il disait à sa femme qu'il ne manquerait jamais de poisson. C'est vous qui avez choisi de faire cette guerre. Vous avez assez bavardé pour le moment. Il m'énerve. C'est moi qui a raison, mais c'est ça. Pas une ratée. Ils sont partout, ces connards aussi. Ils sont 10 000. Et puis on fait pas grand chose pour être discret. Quel suisse tu veux? Ça va. Moi j'ouvre. Empêchez-vous d'ouvrir cette porte! Oh là là. Oh, c'est une super idée. Bon, il nous a aidé. Ouais, on a plus d'armes et devant nous. Full QTE quoi. Ah, attends-toi. J'aime bien quand on se bat ensemble, c'est cool. Oh, tu l'as éclaté. Ah, on peut le prendre. Et les balles, non. Donc, les balles, non. À quel moment, ouais. Putain. Un camion, non. «
Moi, je dis qu'il faut se tirer de là vite fait. Sans déconner. Si. Un Einstein, dis donc. J'ai mon vieux briquet, regarde. Moi, je suis omnibilé par ton devant. Truc, ça a l'air très... oui, j'avoue. J'ai un briquet. Ah, c'est très drôle dans ma vision. Ton tout petit halo lumineux. Je connais. Ouais, ouais, on avance. Toujours 30 000 ans à passer des vieux obstacles. La barre de fer à tout faire. On gagne une minute à chaque fois de VOD. Hein. Ouais, c'est pratique. C'est... Enfin, ouais. De jeu, quoi. De... Dans le temps total pour ça finir le jeu, tu gagnes vachement de temps, ouais. Ça pourrait nous servir. Si vous voulez transporter des explosifs vieux de 60 ans, libre à vous. Ça saigne, ça peut mourir. Disais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Ça doit être un peu mid et tout et tout quoi. La poudre elle a du... C'est ça, elle doit être humide. Elle a du pourrir. Les quoi. Armes chimiques sont pas loin, c'est ça? Chaque fois que vous dites un truc bien, vous rajoutez quelque chose de stupide. Et qui est stupide hein. Salut mais pas bête. Et puis il a un briquet. Et par là je pense. Ouais, ouais. Là, t'avais un truc ici, tu l'as pris? Non. Ah, d'accord. Oh bah tant pis. Soul. Je vous raconte une blague? Des cavernes. Quoi qu'il y ait en cavernes. Bas, c'est là que ce groupe a dû aller. Ça a coupé la scène. Attendez un instant. Que faites-vous? Vous pensez qu'ils sont encore en vie? Vous gardez pas espoir. Con. C'est pas con du tout. L'espoir, c'est tout ce qui nous reste. Mais par terre comme ça, j'aurais... Bon, on va faire un peu mieux. Pourquoi de la lumière et plus de générateur? Parce que c'est la réverbération des grottes de lune. Bien connu. C'est très inégal à Mikyu en coop, je saurais pas dire en solo, mais Little Hope en coop était trop bien par exemple, on a kiffé de fou. Celui-là, j'ai l'impression que ça rajoute pas grand chose malheureusement, parce qu'on voit tout le temps les mêmes scènes. Même quand l'un des deux et joue j'ai pas. L'impression d'avoir eu toutes les scènes clés sauf une scène où t'as laissé s'échapper Salim. Bah je pouvais rien faire, il s'est échappé tout seul. Ah oui, t'as même pas eu le choix. Ah non, j'ai même pas eu le choix, moi je passe mon temps à être spectatrice. Mais Little Hope, vraiment, j'ai l'impression qu'on a beaucoup... Enfin, c'est étrange de côtoyer quelqu'un si longtemps sans jamais vraiment ça le connaître. Ça rajoute beaucoup, j'ai l'impression, dans Little Hope. Donc ça doit dépendre. J'ignorais que mon capitaine était marié. Le connard là, avec qui vous étiez, là ah. Et puis le début de Little Hope, il met il un a peu... Il a été tué. Ouais, le début était bien, déjà. Et on voyait là, que... Le début, c'était trop merdant, là. On voyait la différence aussi... Je me suis trompé sur vous. En ayant fait le début cool. En mode quasi solo et le début en beaucoup mode pas solo, bah cool. Ça a rajouté plein de trucs. Le tout c'est de s'en donc je pense que ça dépend de l'opus. Et puis bon. Là vous voyez son point de vue en haut à droite. Le problème aussi de la coop sur PC apparemment c'est peut-être pas le cas. Putain, il y a un chargement et j'ai toujours le truc. C'est peut-être pas le cas sur console, mais sur PC en tout cas, cet opus-là est ultra buggé. Et quand on est en coop, c'est si on coupe, on décide d'arrêter de jouer. Faut savoir qu'il y a des chances pour que... Il y a beaucoup de chances, mal chance on va dire plutôt, pour que la partie soit ne fonctionne plus après. Cet endroit nous, on a pas passé un quart d'heure à essayer de la relancer de plein plus de manières différentes, même plus. Parce que ça buguait. Lui, le jeu se lançait pour lui, pour moi ça mettait en attente de l'autre joueur en permanence. Putain mais ça a plus rien à voir là. C'est classe par contre, j'aime bien. Ouais. Ça vous inspire quoi? On va voir Undercity. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Bienvenue dans Vermintide. Moi aussi ouais. Et c'est pour ça qu'on relance pas pour le bug d'Andy, c'est parce qu'on a peur de jamais réussir à relancer la partie comme tout à l'heure. On va mettre une demi-heure à galérer quoi.
Pour revenir un chapitre en arrière. Je doute oui, parce que la solution, ça a été que je mette un chapitre en avant. Mais on a dû essayer deux ou trois fois. Il a l'air de fonctionner. 4 ou 5, même plus. Non. Ouais, peut-être non. Même plus. On ne doit pas aller en bas. Les archéologues n'en sont jamais revenus, vous en tenez compte? On n'est pas des archéologues. Notre monde à nous est en haut, sûrement pas en bas. Ouais, mais il y a une armée de monstres entre nous et la surface. Ah oui, donc descendre, tu penses que c'est une solution? Allumez. Descendons encore plus bas? Si ces vampires viennent bah, c'est vrai que c'est bizarre, mais en même temps. Je voulais vraiment les affronter sur le terrain. C'est exactement là, ils sont deux, ils ont plus. Quel ce pays? Démarrez-moi cet ascenseur. Au moins, tu verras ce qui se passe en bas, même si tu meurs. Oh, mais faut fouiller un peu le reste de la zone là, plein de trucs. Ça se trouve en bas, on peut entrer dans la matrice, c'est parti, on gagne. Ah. Non, mais ils ont des ailes. Ils sont à parole, je crois. Ah, pour une fois, ils se dépêchent. Ouais. Mais ça bug, évidemment, quand il y a des soucis, quoi. Des bisous par SC Diffuseur, très bonne nuit, merci beaucoup pour le raid. Très gentil. Très gentil. Une créature ancienne oh merde. Est sortie de sa torpeur et elle est assoiffée de sang. Il y a toujours. Et si nous faisions le bilan des disparitions? L'une rejoint la lumière, tandis que l'autre s'éteint à jamais. Pauvre Eric. Pas de chance. Mais il avait déjà réussi à tromper la mort une première fois sur cette autoroute. Peut-être que, finalement, la mort l'a rattrapé. Bah... Ouais. Tiens, le Requiem de Mozart, bah ouais, libre de droit, hein. Espérons que Lacrimosa. Rien de regrettable ne soit arrivé au sergent Kay. Ceux que l'abîme entraîne ne font que rarement de vieux. Quant à Jason et Salim, deux ennemis jurés incapables d'enterrer la hache de guerre, ils souhaiteraient plutôt se la planter dans les vertèbres. N'allez pas croire que je veuille vous paraître impoli, mais le temps joue actuellement. Oui, bah c'est ce que je dis, c'est libre de droit, donc c'est tranquille, quoi. Je tiens à accueillir vos protégés quand ils franchiront la ligne d'arrivée, ou à enfouir sous celle-ci ce qu'il en reste. Est-ce qu'on essaie de quitter? Oh, je me suis habitué. Ouais, vas-y, on est... Ah, ça me saoule. On a attends, un flashback. Attends, on est à l'autre côté, putain. Putain, Eric, tu le fais exprès? Je suis comme ça. C'est ma façon de gérer le problème. Et j'en ai marre d'essayer de te l'expliquer. Oui, oui, je vis ma vie. Et je compte bien la vivre à ma façon. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dérange? Oui, c'est vraiment pas le moment. Je vous apporte les dossiers que vous avez demandés. Plus tard. J'ai dit plus tard. Je voulais pas vous énerver. C'est pas vous. On dirait que, dans le coin, on veut tous échapper à quelque chose. Moi, c'est mon cas. Ta lumière allumée, ça sert à rien. Ouais. Vous parlez du désastre au poste de contrôle. Vous avez tué une femme. Ouais, après Mikyu, effectivement, allez-y. C'est des interprétations... Vous pouvez me parler. Orchestre connu, machin, qui seront DMCables, ouais, tout à fait. C'est-à-dire, tout le monde a son avis sur la question. Je gère le problème à ma façon. Genre si c'est interprétation de l'Orchestre Symphonique vraiment de New York, machin, bah là, c'est DMC, même si c'est du... Vous avez assez de soucis. Même si c'est des... Et je sais pas qui c'était, mais ça avait l'air Vic très bien. Un sacré connard. Ah, c'est comme ça qu'il l'a séduit. Quel que soit le problème, vous le réglerez. Oh, avec sa petite bouche au cul de poule, regarde ce solo. Vous signe. Et je le réglerai pour vous. Petite bouche, la petite moule, là.
Il se rappelle. Et ouais. On va le voir dans les cadavres. Cette pluie s'est juste fait projeter. Elle, elle s'est pas fait bouffer. Attends, t'es encore Rachel. Putain, elle est vivante encore. Ah, c'est vrai qu'il y a qu'il y en a qu'un qui est mort, donc c'est Eric. J'ai encore voir les pires trucs. Oui. Il fait l'amour avec sa bûche. Ouais. Sa bûche. Ah bah non, mais je vois la scène que tu viens d'avoir. Mais toi, tu vois la scène que je viens d'avoir. C'est bien foutu. Ça sert à quoi, c'est comme le début, tu te rappelles, oui. On avait la scène de l'un c'était et de l'autre, boucle, sauf qu'on voit juste que c'était nul. Bon, dans Little Hope, il y a chacun nos scènes, quoi. Pourquoi tu te rappelles? Et là, on voit la même scène. Nick, j'ai eu peur de te perdre. Moi aussi, j'ai eu peur. Ah, lui, il avait que le texte. Oui. Elle, elle avait un peu plus de direction, lui. Il est... Ouais. Moi aussi, j'ai eu peur. Là, t'as eu peur d'une araignée, là. Alors, moi aussi, j'ai eu peur. Ah, c'est encore lui, là. Non, c'est... Le des enfers. Ah oui, si. Moi, n'hésite pas, là. Non, mais d'où il est seul? Il a de la chair, ça se traverse, les putains de balles. Non, c'est que si t'as une barre de fer. Les dents de lapin, les dents de vampire à la Nosferatu. Allez, je sais pas. Oh putain, oh, putain l'autre comme il arrive. Choix de fermer la porte. Sinon je pouvais juste courir, mais il courait trop vite. Ouais. Gagner un peu de temps, mais bon, est-ce que ça suffit? Ils sont cachés. Il y a pas 1000 cachettes quand même. Ah non, non. Si. Ça lag, ça lag. Je peux rien faire, je peux rien faire. Mais putain, ça lag encore. Moi j'ai réussi. Bon, je rentre de la merde ce jeu. Elle est beaucoup trop buggée. On le speedrun. Tu veux même pas laguer ça. Tire. En fait, j'ai eu un point de vue où je voyais comme si je pouvais tirer. Voilà. Putain, j'ai freeze quoi. Ouais, oh, j'ai vu sur ton écran, t'avais un vieux freeze. Putain. Vraiment de la merde. Et tu as fait un choix. T'inquiète pas, je t'aide. Oh là là. Allez. Non mais elle t'aide comment, elle avait une arme dans ta main en fait. Oh oui. Pas mal. Ça c'est réussi ça. Ah voilà une. Arrivez-vous. Bah, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Ça se trouve, on se serait caché, alors elle nous aurait encore poursuivi plus tard. Là, il est peut-être au moins hors de portée. Ouais, ça, il y aura un délai pour se barrer. Mais bon, après, il est tombé en bas là où sont les autres, je crois. Donc. Ah oui, ça se trouve, on l'a envoyé sur les autres, j'avoue. Non, les autres étaient dans une zone verte. Bon, on sait ouais, qu'il bah, est pas mort, ça. Ouais, c'est vrai. En 10 000 balles, il meurt pas, c'est pas une vieille chute. Non, mais il tombait quand même sur le coquille. Ils prennent pour des abrutis. Cette fois, c'est pas passé loin. Oui. On est toujours là. On n'a pas tous cette chance. Tout ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Il a rien compris au jeu. C'est un jeu d'horreur. On devrait parler, non? Ah oui, ce moment. Je suis pas Call of Duty. Hein. De nous. Ouais. Il faut que je sache ce qu'il y a entre nous. Tu n'es pas dans si un Marvel. Meurs ce soir, je veux partir en sachant où on en était. Tu veux pas me partir en étant vivant? On a un avenir tous les deux. Eric était un mec bien. Il est mort. Et il est mort. C'est vraiment ce que tu dis. Rachel. Vas-y, je veux faire chier un peu, tiens. Est-ce que tu m'aimes? Ah putain. Un soldat a un cœur.
Ça me plaît. Ça n'a pas marché, regarde. Ouais. Oui. Maquillage au ketchup pour les effets spéciaux. Sauce barbecue, je dirais. Il s'embrasse. Putain, il bouffe du sang des... Ah, des... Ah, ah ouais, et puis... Enfin, c'est... C'est d'appuyer du... Ah, bref. C'est pas le moment du tout, quoi, en fait. Genre. Je peux pas te perdre. Ni maintenant, ni jamais. Oui, bah, quand t'as cru qu'elle était morte, t'as pas été non plus... plus expressif du monde. Rachel! Bon, dommage. C'est Jason. Oh, c'est Kamerlings. C'est Tic. Faut y aller. Alors, retrouvez Jason. Le mec s'agenouille et la demande en mariage au calme. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. On pourrait faire ça dans un coin. C'est fait, les mecs. Trop calme. On va s'installer ici. On veut bien la chambre de nos autres. Je trouvais des champignons là-bas. On mangera ça. Heureusement que ça nous a dit que la profondeur, parce que finalement. J'aurais pas tant que tu m'as pas dit que tu me kiffes. J'ai poursuivi, connard. J'en ai c'est vu pas des ce que je veux entendre. Allez, un poutou. Mais ça, c'est d'un autre niveau. J'ai pas l'impression qu'ils nous suivent. Vous voulez qu'on les attende, peut-être? Pas la peine de faire le malin. En route. Toi, tu fais trop le malin aussi. Là. J'avoue, c'est le pire malinois de tous. Et dit pas la peine de faire le malin. Tout va bien, j'ai mon briquet. Fais voir. Oh, ça lag, regarde ça. Qu'il fait? J'appuie sur A. Moi je te vois pas au même endroit en fait. C'est tout ça pour cette merde. Et c'est joli. Oh je sais. Qu'on est venu foutre ici. Des arbres, d'accord. Il y a des arbres trop glodis. Il y a des œufs, on dirait. On ça va peut être des œufs ça tu penses? Moi je pense que c'est... un genre de gelée. La mousse radioactive. Oh, ça lag à chaque action maintenant. Moi je pense que c'est les armes de Saddam. Faut pas que j'ai tué d'eux, hein, c'est fichu. Ça ira plus vite. Il vous faut des QTE un par un quoi, pas des trucs qui s'enchaînent. Le jeu s'appelle House of Latence. Ça lag de fou, non mais ça freeze à chaque fois maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, on redémarre? Non, ça va être pire. Entre le chargement et les lags, toi, ça... c'est un truc dégueulasse. Ok. Toutes les pages ont été arrachées. Oh, Nathalie Portman. Pff, trop bas. Si. Trop bas. Si. Trop bas. Le chat. Nathalie. Mais ou on voit à peine le tatron. Ouais, bah attends. Avec ton briquet, là. Vous voyez bien. Quand le temple s'effondrera, ma femme et moi serons illisibles. Tu dois bien ça, je porterai... le portrait qui orne ma montre est celui de Marie, dont je me souviens. Pas de cette... T'es que moi, j'ai jamais des textes noirs comme ça, sur le côté. Parfois, moi, je les ai pas non plus, mais je les ai quand même un peu. Tout est de la faute de Lady Brackshaw depuis le début. Elle savait qu'il y avait... ce qu'il y avait ici, elle nous a mené jusqu'à eux. Tout à l'heure, je l'ai trouvé en bas, penché sur le cadavre du pauvre Van Houten. Quand elle s'est retournée vers moi, j'ai vu qu'elle avait changé. J'ai saisi l'arme la plus proche, un piquet de tente de fer, avec lequel je l'ai poignardé dans le cœur. Tandis qu'elle mourait, des cris affreux ont retenti dans les profondeurs, comme pour répondre au flot de saut soudain. De sang soudain. Sang. Oui, pas le flot de saut. Le flot du sang. Oh, ton petit briquet. Oh, la musique. Il y a une grosse réseau à côté. Une grosse réseau. Ressoir, une grosse soirée. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Oh, on est dans un cadavre, peut-être. On est dans un monstre. On est dans Alien. Ça se trouve, les Dark Pictures utilisent des serveurs Nintendo. Une Makanda. Ouais, comme vous dites. Il connaît rien, c'est marrant, Cotillard. C'est quand même mieux que les serveurs Nintendo. Avec... Non mais on n'est plus sur la même planète là en fait. C'est quoi ce délire hein? Des vaisseaux? Putain mais c'est Stargate quoi. C'est des Goa'uld. Ah j'ai envie de chanter le générique. Somebody say...
Mais c'est pas le bon du tout. Est-ce au moins réel? Pas loin. Je me suis dit, mais pas de parole en générique. C'est notre jugement. Allah nous inflige sa punition pour toutes nos erreurs commises. Non, c'est pas que j'ai trouvé cette générique, c'est... Attends, faut que je dise un truc. Envy veut du Tom Holling, mais... Nous allons peut-être mourir. Et quoi, c'est pas loin. Lana! Je ne pourrai jamais lui dire. Il est trop belle. Je ressens au fond de moi. Ce que j'avais adhéré dans le jeu, les décors. Mais si tu veux faire ça, fais un autre thème, bordel. Vous avez des regrets, Jessa. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire des trucs qui vont pas ensemble. Le poste de contrôle. Oui, il se rappelle des cours chez l'orthophoniste. Je sais dire. Nick et moi. Le poste c'est virgule de contrôle ligne. À la ligne. Salim dit 2 points. Ouvrez les guillemets. On a vu une femme. On a vu une Elle femme. Un sac. Il y en a qui ils savaient pas direction d'acteur les pauvres. Allez-y. Je lui ai dit. Je lui ai ordonné de s'arrêter. Haut et fort. Mais rien à faire. Elle continuait d'avancer. J'ai dû. Prendre une décision. Virgule. Nick. L'a battu. Faire plein de pauses pour gagner du temps. Merci Anté pour le clip. Des courses. Ah oui, merde. Alors pourquoi ne s'est-elle? C'est chiant les streams des fois. Hein. Je pense que je vais le mettre sur mon premier TikTok. Elle m'entendait pas. Elle avait des putains d'écouteurs. Bah t'aurais pas dû tirer. Tout ça. Ah j'en sais rien, Ferna, mais ça m'emmerde. Ah peut-être, hein. Mais ils viennent même pas. Peut-être effectivement pour dire que. Je vais rêver de ça cette nuit. Tu sais, genre un truc de chargement. Mais c'est ce qu'elle disait en témoignage, quand tu l'auras plus, t'auras l'impression, tu sauras plus quoi faire. T'auras l'impression qu'il alors, manque quelque chose. J'ai choisi de m'engager. Quand je l'aurai plus, c'est pas gagné. Nous avons tous nos raisons, elles ne sont pas forcément profondes. Même pas ce qu'ils disent. Profonde. Quand les tours sont tombées, j'étais complètement défoncé. C'est qu'une semaine plus tard que j'ai appris la nouvelle. Vous Et après, il fait jour, c'est intense, la raison pour laquelle il s'est engagé. Et même pas ce que je viens foutre ici. Vous servez votre pays. Cette femme. Mais c'est vrai que ça fait vachement Stargate. Des amis. Entre Jackson et O'Neill, là, dans 2 secondes. Elle avait toute sa vie devant elle. Y aura-t-il que. C'est-il nous, que le mec l'a embarqué dans putain. Le temps. Ouais. C'est quoi ce délire? Je vais l'air énervé. Hein. Et j'ai appris que les Goa'uld, en fait, ils ont des parasites en eux et c'est eux les Goa'uld. Ils sont des parasites et ils. Je vous entends réfléchir. Et les parasites, ils dirigent. On attend qu'il se passe quelque chose. C'est terrible. On devrait prendre des initiatives et déclencher quelque chose. Moi, je suis trop. Je regardais pas, moi. On pourrait entrer et chercher un moyen de leur faire mal. Mais entrer où? Tu vois une porte? Je peux dire chacun pour soi, non mais. Connard. Hey. Après cette conversation. Quoi qu'il arrive, comptez sur moi. C'est Tilk et Talk. Nous nous battons. J'ai pris ça 25 ans après la série, mais j'ai jamais vu. Moyen. J'ai un peu vu quand j'étais petite. Ouais, quand, moi, elle était... tout le temps. Quand elle était populaire, j'étais vachement jeune. Hein. Ouais, t'étais petite. Du coup, bah après, j'ai grandi, mais bah la série est un peu passée, quoi. Un peu passée. J'aimais trop. Ouais, je sais que c'est une bonne série après. Enfin, des souvent. Culture inconnue. Par contre, c'est Gang Master. Ouais, depuis tout à l'heure, on fait rien. Hein.
Ils ont un peu déconné sur la vie, les raisons, leurs engagements et tout. Oh, c'est joli. C'est quoi ça? Comme des claques-doigts. Fais gaffe où tu mets tes pieds quand même. Fais gaffe, mec. Mets tes pieds. Active la porte des étoiles et barrez-vous de là, mais grave. Regarde, mec, sur ta droite. Mais c'est tout, toi. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Tu vas pas aller plomber le bide? C'est toi. Il a un accent qui a rien à voir en plus, moi je trouve qu'il a un accent italien. Hey. Ou corse. Un accent italien, je sais bien le faire ça. Fais gaffe, mec. Ristorante, pizzeria. Là, je pensais que t'allais me dire Mario. Fais gaffe, mec. Bye. Imite le parrain. Mais tout à l'heure, quand il a dit... Mon grand-père disait, si ça sent la merde, que ça ressemble à de la merde, c'est sûrement de la merde, y'a pas besoin d'écouter. Bah, il avait vraiment un accent italien en disant ça. Écoute, mec, on va le voir s'occuper de ses œufs. Non, mais tais-toi, s'il te... je t'en supplie. C'est là qu'elles viennent, ces choses. Je suis la lueur de mon briquet. La question est, où ont-elles bien pu passer? Où ont-elles bien pu passer? Chat, les mecs. Ton petit briquet là. Ah non, ça lag. Je peux même plus faire des pas maintenant. C'est peut-être pour ça effectivement qu'il y a une horloge. On va avoir un rollback de ouf hein, non. C'est joli hein, mais c'est plus le même jeu, désolé. Ça c'était le flic qui avait Beverly Hills. Mais oui, non mais il arrête pas. Genre, il fait la même interprétation raciste qu'avant, quoi, horrible. Cette cité doit exister depuis des milliers d'années. Il imite le parrain avec la voix d'Eddie Murphy. Non. Il se pourrait qu'on ait pris le problème à l'envers. Il imite Eddie Murphy avec l'accent du parrain. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Peut-être que nous sommes les intrus. On dirait un peu italien, hein. Suivez-moi. Je comptais pas m'en aller. Putain, c'est toi qui me suis en plus avec mon briquet. Ouais. Ah, tu m'as dit suivez-moi, je te suis. Cette mousse, elle est partout. C'est moi ou... Ce truc est vivant. C'est sympa. Quoi? Je peux pas t'aider? Tu peux pas descendre toi? Attendez. J'ai foutu. Dans un lag permanent. Difficile à dire. Oh, ça fait mal au crâne. La notion du temps sous terre. Allez mec, tu veux pas me rattraper? J'ai fini de tout. Faut y aller là. Mon esprit est ailleurs. Bon par contre ça va plus là. Je peux même plus jouer. Appuie, t'appuies sur A. Il ne faut pas qu'on se perde de. Mais quel faut que j'appuie, ça me propose même pas. Il là, ça brille au sol, mets-toi bien. T'as peur, tu veux que je t'aide? Non, va aller. Pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci. Tu n'as pas qui, je bordel de merde. Mais vas-y là. Tais-toi, fais A. Merci, c'est lui, un raid porteur, merci beaucoup pour le raid. Alors, t'en es où sur Sekiro? T'as tout défoncé? Salut, il y avait un pari, il y avait un pari sur son live pour savoir s'il allait mourir 140 fois ou plus. Salut, Edern. Ah. S'il allait atteindre les 140 morts, je crois. Mais je... Bon, ça, c'est du pari spectacle, il fait tout en deux vies. Ouais, moi, je suis sûr, il est même pas mort. Non, bon, okay. Je regarde un petit moment, il est pas mort au début. Alors, bon... Pas... tomber dans le vide, mais, vais... mais bien dire, ça compte pas. Je vais essayer d'expliquer ce qui se passe, on est sur Dark Picture Anthology. Mais... Je peux jouer. Envy est là, il arrive pas à descendre. Non mais regarde comme ça lag là, regarde ça. On voit son écran là. Mais on n'ose pas relancer la partie parce que dans ces jeux là, quand tu relances une partie en multijoueur, t'as beaucoup de chances pour que ça marche jamais. Donc voilà.
Donc j'en peux plus. Et bonne année à tous et toutes et bonne année Aurel, merci beaucoup. Du coup, on... Est-ce qu'on relance quand même ou pas? Non mais sinon j'avance. T'es obligé, hein. Non sinon j'avance et je vais peut-être réussir à te faire avancer. Ah ouais, vas-y, vas-y, fais des trucs. Merci beaucoup pour le follow, merci, c'est adorable. Bonne nuit Sourine, des bisous. House of Ashes. J'essaie de me dire parce que c'est difficile pour moi. Oui, je vois ça. Du coup, voilà, vous avez sa capture d'écran en haut à droite parce qu'il stream pas. Enfin, il stream sur Discord. Pour un peu comprendre ce qu'il voit lui. Oh, t'as réussi à descendre ! Ouais. C'est trop un génie, mec. Ouais, c'est trop chaud. Hein. Bon, House of Bug, ouais, un peu, ouais. Malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de bugs. Et on en avait pas du tout autant dans Little Hope, on en a eu un tout petit peu dans Little Hope, mais c'était assez léger. Si quand même, le fait de pas réussir à reprendre une partie, c'était quand même très chiant. Mais à part ça, on en avait pas eu trop d'autres. Là, sur celui-là, ah bon. Donc ça entache un petit peu, oh punaise, l'expérience. Ah, il a la moitié cristallisée dans le... du jus. Il est ambré, je dirais. Moi, je dirais, il est... Regardez. Mort. Vous avez vu l'armure. Allez, on joue le générique de Smallville. Non, bah non, pas de Smallville, du coup. J'ai pas le temps. Mon esprit... Oula. Et quoi? Il a bougé l'œil? Vous avez vu? Oui, il a bougé l'œil, oui. Je crois qu'il est vivant. Oh, c'est impossible. Ici, plus rien. Plus rien n'est impossible. Merde. Des bisous Edern, merci beaucoup. Il a survécu tout ce temps-là. C'est du avec miel. Une moitié de tête. Un cassier, je dirais. Le fluide. Et là, truc, tout le monde sur ton live, pour voir si des gens ont la VR pour faire un Among Us VR. Vous avez la VR pour faire un Among Us VR? C'est comme ça. Pourquoi pas? Depuis le temps, il a dû s'habituer. Voilà. Je suis sérieux. C'est trop drôle. Le bruit va attirer les vampires. Je vais le faire. Faut pas voir ça comme ça, Mogluminar. Faut voir ça simplement comme... comme une politesse. Comme quand tu dis bonjour aux gens. Ah mon gars, j'ai pas la VR. Je sais, Grisou. Mais pourquoi on l'a tué? Pour pas qu'il souffre, il souffrait. On sait pas. Bah j'ai... Oh, c'est horrible. En plus il était tout... tout mort d'un côté et du coup bah si on le laissait en vie, il allait juste souffrir en permanence. On a tous des vers. Mais non, pas des vers, la VR. Je me dis mais pourquoi ils me racontent, ils me parlent tous qu'ils ont des vers. Il y a un truc qui me dit j'ai un verre de coca et tout ça. La VR. C'est pas ça. Oui, oui, va te reposer, des bisous, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le raid. Je vous en conjure, allez le follow, vous passerez des bons moments. Et en plus, il joue à Sekiro en ce moment, un jeu... Je vais pas réussir à monter. Où je suis trop flippette pour y jouer, dans le sens où j'ai trop peur de m'énerver. Et puis bon, faut que je finisse Elden Ring. Merci beaucoup, c'est adorable, des bisous. Et une très bonne soirée. Très bonne, très très bonne année. J'arrive pas à monter non plus, si ça peut te rassurer. Je dirige même pas là. Mais pourquoi je peux pas? Genre je le regarde et ça fait rien. C'est peut-être et pas... Et là, est-ce que t'as dit... T'as des gens qui t'ont dit qu'ils avaient la VR ou pas? Ils m'ont tous dit non. Oh non. J'ai Among Us jamais joué et pas la VR. Voilà, donc ça par exemple, c'est pas la question. Bonjour, je vais marcher sur tous les trucs. Est-ce qu'il fallait monter là? Bah non. T'as plus ton petit briquet toi non plus? Vomi réactif. Mais non! Ça existe vraiment mon gars sans verre? Ouais, c'est sorti il y a pas super longtemps, il y a 2-3 semaines. Et j'aimerais beaucoup tester. Alors faut savoir que
ça doit être un petit peu, ça doit prendre un peu la tête, donc c'est pas le genre de soirée où tu vas rester 3 heures à jouer, mais par contre ça a l'air très très rigolo et pas trop mal foutu. Et c'est vraiment officiel, c'est pas un mode. C'est ça, c'est le vrai Among Us en mode VR. C'est un vrai Among Us, ouais. Genre au lieu d'avoir la vue, voilà, bah du dessus t'auras une vue première personne, ce qui rendrait le truc assez immersif et tout. C'est ça. À mon avis, il y a un moyen de se faire peur, je pense que c'est rigolo. Mais je, hey, je te après, promets bon, je le VR pas. C'est près d'une console donc faut. C'est pas... Ouais, c'est sur Steam, ouais, c'est ça. Il est plus cher ça que fait cher le jeu. Classique, quoi. Mais. Bah, c'est que si t'as la VR, autant le tester après. Si t'as la VR, ça va, mais si tu l'as pas. Ouais. Faut savoir que moi non plus je peux rien faire. Ah, attends, il s'est déplacé. Mais c'est toi fait qui des après. On a perdu, je crois. Ils sont fous. Mais c'est trop chiant, en plus je lag à fond et tout. On est marre. Un petit start là. Trouver un moyen de riposter, fouiller la zone. C'est ce qu'on essaye, hein. Et si je quitte et je reviens? On peut essayer. Après tout. On n'a pas trop essayé. Vas-y, quitte. Je quitte. Enfin, moi, je quitte. Tu quittes. Ça te livre de toute façon, non? Ouais. Ah oh non, j'ai encore le truc sur le menu. Non, je... Ah, il avait vu un truc de l'autre côté? Ah, d'accord. Je sais pas, je voyais pas sur son écran, Infernalou. De toute façon, on pouvait pas interagir, ça bug là. Moi, je peux. Et oui, les interactions marchaient plus, ouais. Bisous VOD, on en relance une tout de suite.